bien, salut tout le monde, c'est Petit Morceau 72, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit tutoriel. Donc aujourd'hui le tutoriel consiste à créer une belle miniature avec le logiciel que j'ai juste ici, donc qui est Photoshop, que vous voyez ici. Tout d'abord, avant de vous montrer ça, on va aller sur YouTube pour vous montrer qu'est-ce qu'est une miniature. Donc une miniature, c'est ceci. Donc c'est une image que vous mettez pour vos vidéos, sinon on voit pas... c'est une belle vidéo, etc. Donc voilà ce que c'est une miniature. Donc c'est très simple. Pour ce faire, vous devez avoir le logiciel Photoshop qui est payant. Donc si on va sur le site Photoshop, vous mettez Photoshop 6, vous devez le payer. Bien sûr, il y a des cracks que proposent pas mal de youtubeurs, mais c'est vos risques. Donc du coup, il y a la version d'essai qui peut être pas mal. Donc voilà, en tout cas, moi je vous dis, on va tout de suite commencer. Donc j'ouvre Photoshop, donc bien sûr il apparaît sur l'autre écran, je vais mettre là, voilà. Alors on est sur Photoshop. Pour commencer, c'est très simple, vous faites fichier, nouveau, et ça va vous apparaître une petite fenêtre comme ceci. Donc moi ça se met sur le deuxième écran, j'en suis désolé. Donc ça va apparaître une petite fenêtre comme ceci. Donc vous mettez en largeur 1280, en hauteur 720 et en résolution 96, et vous faites donc c'est couleur RVB, et là vous mettez blanc comme ceci, et vous allez mettre ensuite pixel pouce et 8 bits, et puis vous faites OK. Donc du coup le votre première image va s'ouvrir. Donc ça va vous mettre l'arrière-plan. En fait l'arrière-plan il est blanc. Donc pour ajouter des choses, c'est très simple. On va par exemple rajouter une image de fond. On va rajouter une image de fond. Alors, moi j'en ai une sur mon bureau, donc je vais la prendre. Par exemple, elle est où? Alors l'image de fond, elle est ici, voilà. L'image de fond que j'utilise sur certaines de mes miniatures, comme ceci. Et puis vous pouvez faire importer en cliquant sur Enter. Du coup ça va vous importer l'image. Ça vous donne un truc assez joli. Vous voyez que ça c'est beau. Mais on peut faire mieux. On peut faire mieux les amis. Donc pour faire mieux, c'est très simple. Vous devez faire comme ceci. Donc vous, par exemple, pour faire mieux, c'est très simple. Vous allez dans filtre, juste ici en haut. Voilà, je me suis un peu emballé. Vous allez dans filtre, atténuation, flou gaussien. Ensuite ça va vous apparaître une fenêtre comme ceci. Donc là il y aura le flou à 0. Voilà. Pour rajouter du flou, c'est très simple. Il vous suffit de faire de cliquer au milieu, hop, de votre image, et rajouter, hop, le flou que vous désirez. Donc là c'est un peu trop, vous voyez qu'après on ne voit plus rien. Mais hop, moi je le mets toujours à, on va dire 7 6,3, voilà, 7,4 par exemple, et je fais OK, et vous voyez que ça rend assez flou, c'est logique. Ensuite vous allez par exemple importer. Donc moi comme je fais du Minecraft, essentiellement du Minecraft Pocket Edition, du coup je vais, hop, prendre mon logo pour Minecraft Pocket Edition, voilà, hop, je le mets, j'ajuste la taille, et voilà, donc il est mis, alors là, hop, Enter, voilà, il est mis et je le pose ici. Voilà, ensuite c'est très simple, pour il faut rajouter un titre pour la vidéo. Donc du coup un texte. Donc il y a plusieurs polices disponibles sur un site que je vais vous montrer ici et que je vous mettrai en description. Hop, c'est le site dafont.com. Et donc il y a toutes les polices nécessaires pour vos vidéos, pour vos miniatures, si jamais vous voulez rajouter des textes, etc. C'est vraiment un site assez stylé. Donc du coup voilà, donc vous allez dans Photoshop. Par exemple vous installez une police, etc. C'est très simple, vous faites download, ça vous la téléchargez, vous cliquez sur le dossier rare, vu que c'est en point zip, en point rare, vous l'ouvrez, il y aura WinRAR qui s'allume, et vous pourrez dézipper le truc. Donc voilà. Ensuite c'est très simple, vous devez prendre votre texte qui est là, donc dans l'onglet texte qui est juste ici, où il y a ma souris, et ensuite vous faites un rectangle de sélection. Et là, vous marquez votre texte. Donc, par exemple, tuto miniature. Alors, hop, miniature. Donc, là, vous voyez que le texte il prend trop de place. Du coup, je vais un peu l'agrandir. Comme ceci, voilà. Ensuite, on peut le rediriger. Et je vais mettre la,
je vais régler la police pour que ce soit en plus petit. Donc du coup, on va mettre en 150. Comme ceci, vous voyez que ça s'écrit en un coup. Hop. Alors, je mets ça là, ici. Comme ceci, voilà. Une fois que c'est fait, c'est très simple. Donc ça, c'est la police American Captain. Donc pour ceux qui veulent, je vous la mettrai en description le nom. Et vous irez sur DaFont. Donc du coup, vous n'avez plus qu'à mettre... on va voir si on la trouve ici. Hop, American. Ok. Captain. On va voir si c'est ça. Non. Ah non non non, c'est pas, il n'y a pas de I ici. Hop, comme ceci. Et voilà, il la trouve. Donc je vous la mettrai en description, comme ça vous aurez juste à le télécharger. Hop, du coup, une fois que le texte est fait, vous pouvez toujours après modifier la taille de l'écriture. Donc en 175, ça passe, vous voyez. Hop, vous faites Enter comme d'habitude. Ensuite, vous double-cliquez sur votre texte. Une autre fenêtre va apparaître, donc celle-ci, elle va vous permettre de rajouter des effets au texte. Donc par exemple, moi je vais dans ombre portée. Hop, vous voyez que l'ombre automatiquement se met sur le texte. Donc ça rajoute un effet de profondeur. Du coup, regardez mes réglages, moi j'ai mis opacité 75%, distance 120 degrés, la distance, enfin pardon, l'angle 120 degrés, la distance 5 pixels, grossi j'ai mis à 0 et taille 5 pixels. Ensuite, biseautage et estampage, c'est comme vous voulez. Moi, je ne les mets pas. Parfois, je le mets, etc. Dans certaines miniatures, avant, je les mettais. Donc, après, c'est vous qui décidez. Je vous conseille de mettre un contour. Hop, comme ceci, vous voyez que ça rend super bien. Donc, le contour, j'ai mis une taille à 3. Vous pouvez mettre 4 si vous voulez, etc. Donc, ça rend un peu mieux. En mode diffusion, j'ai mis normal et opacité, j'ai mis à fond. Sinon, hop, ça fait pas trop si vous faites comme ça. Donc, moi, je le mets à fond. Et ensuite, incrustation en dégradé, donc c'est ce que vous voyez souvent sur ma chaîne. Donc là, c'est un dégradé gris vers du blanc, vers du gris. Donc du coup, on peut le modifier ici. Donc vous avez tout en bas, vous avez votre dégradé. Donc pour modifier, vous double-cliquez juste sur votre dégradé, voilà. Et puis vous avez vos dégradés. Alors, hop, je double-clique. Donc je clique une fois, voilà, comme ça. Et ensuite, je modifie la couleur. Donc là, par exemple, je vais mettre du rouge assez foncé, comme ceci. Là je vais cliquer, donc ok, là je vais cliquer, alors je vous avais pas vu, je vais vous montrer, hop. Voilà, je ramène la fenêtre, désolé, donc là je vais mettre le même rouge, donc soit je refais comme ça, etc. pour ce que j'ai fait. Soit je fais ça, donc ici, hop, avec l'outil, et ça me met directement le même rouge que j'ai mis au début. Ensuite ici, hop, on va mettre du rouge un peu plus clair, comme ça, voilà, et ça rend assez beau. Ensuite vous faites ok, ok, et vous avez votre petit texte, donc ce sera la miniature en fait sur ma vidéo que vous voyez en ce moment. Ensuite vous allez faire fichier, importer, donc là si vous voulez importer d'autres logos, etc. Donc par exemple là je vais importer, on va importer, hop, un personnage, un rendu de mon skin sur Minecraft, donc hop, je l'importe, après je le règle, donc pour conserver la taille, vous faites shift, hop, et avec hop, vous pouvez conserver la taille, vous voyez, il se déforme pas, sinon, hop, ça fait un truc de moche, voilà, hop, c'est parti, donc je vais le modifier à la bonne taille, comme ceci, je pense que c'est pas mal, voilà, ensuite vous pouvez, voilà, comme ceci, le mettre en à peu près sur le texte, au-dessus, comme ça, ça donne un effet aussi de profondeur, et c'est plutôt pas mal, ensuite, vous pouvez ajouter d'autres trucs, par exemple importer des petites images, des petits comment dire, des petits logos. Du coup, si jamais vous avez des logos, par exemple un petit pouce, la lampe, redstone, hop, par exemple un petit logo YouTube, hop, qu'on va rajouter comme ça, on peut le faire tourner évidemment. On va le rajouter juste ici. Voilà. On va en ajouter un autre pour dire vraiment que c'est un tutoriel sur YouTube, donc indifférent. Sinon c'est assez moche. Voilà. Et pour le faire ressortir, on va cliquer deux fois dessus. L'ombre portée, ça sert à rien de mettre. On va mettre lueur externe. Non, lueur externe, voilà. Et opacité, on va le mettre 100%. Grossi, on va le mettre à plus ou moins. On va voir ce que ça donne. Le grossi, on va le mettre à... Allez, à 40.
à 40, voilà, 40 pixels. Comme ceci, ça donne un truc assez bien. Et contour, ça sert à rien, sinon ça gâche tout. Donc voilà. Ça, c'est parfait. Ensuite, sur mon personnage, je peux aussi rajouter un effet. Donc du coup, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre l'ur externe, je vais faire pareil. Alors ça, je mets ça là. La taille, on va faire ça. Grossi. On va faire comme ceci, vous voyez. Ça donne un petit effet de transparence. Je vais faire ça aussi pour le logo YouTube, là, sinon on ne va pas trop le voir. Déjà, je vais un peu l'agrandir. Voilà, c'est plus beau. Et ensuite, je fais pareil, lueur externe, taille, grossi, comme ceci. Et vous voyez que ça donne super bien. C'est super beau, en fait. Donc voilà, après ça, vous pouvez le mettre là où vous voulez. Et donc, ça vous fait une petite miniature sympathique. Donc après vous pouvez l'enregistrer, donc c'est très simple, vous faites fichier, vous allez dans enregistrer pour le web et les périphériques, ça va vous ouvrir une page, donc là chez moi c'est de l'autre côté, du coup hop je la prends jamais là, voilà, je vais un peu la réduire, non on sait pas, alors là vous avez votre page, donc du coup ça, elle est un peu grande pour en fait mon écran, vous voyez le bouton enregistrer il est là-bas, alors vous, vous avez votre miniature qui est ici, hop. Vous pouvez bouger dessus. Donc pour l'enregistrer c'est très simple, c'est le paramètre PNG24, sinon c'est très très moche. Et ensuite vous avez plus qu'à faire enregistrer. Donc du coup c'est ce que je vais faire. Alors je fais enregistrer. Voilà. Et il va me proposer cette fenêtre là, donc pour savoir où vous voulez enregistrer. Donc moi c'est dans mes documents où j'ai toujours mes miniatures Cinema 4D et Photoshop. Du coup je mets par exemple ici à chaque fois miniature. Comme ça avec un tiret et 131, vu que c'est la miniature 131, j'appuie sur Enter, ça l'enregistre et la fenêtre que je vous ai montré juste avant coupe et donc la miniature est enregistrée. Ensuite c'est très simple, si jamais vous avez débloqué l'endroit pour placer vos miniatures sur votre chaîne YouTube, il vous suffit juste de la mettre quand la vidéo sera upload et ça fonctionnera, donc voilà, et vous avez une belle miniature comme ceci. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me proposer des idées de tutoriels sur les vidéos, etc. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était iPodGamer 172. Allez, bye.